Salut Kamel. Salut, bonjour Yann. Ça va? Tu es prêt? Impeccable, on va tester, hein. J'espère que tout va bien se passer. On va essayer, voir comment ça se passe. Donc, on va accrocher le téléphone à l'arrière du véhicule et puis on va voir comment on peut le présenter avant de commencer à le coller et puis de pouvoir faire donc l'alimentation. C'est parti, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que ça va le faire en professionnel. On va voir ça, allez. Donc, alors on a tout déballé. Hein. Ça fait, là il est quelle heure? Ça fait combien de temps? On a fait un bon débrief. Il est 1h35, ça fait une bonne demi-heure. Petite demi-heure. Qu'on fasse fort. On va présenter les produits. Donc pour le coup, on a un petit bandeau où on a trouvé l'endroit parce que je suis désolé mais j'ai tout déballé et il n'y a pas de notice. Donc en fait on doit un petit peu se débrouiller par soi-même. Et moi je pensais que celui-ci, donc je vais vous montrer dans la vidéo, il passait en dessous de l'écran mais on a trouvé un super endroit. Donc a priori, donc concrètement, on a une très bonne longueur ici. Là, les deux connecteurs qui viennent pour le coup avec ça. De là, on repique en fait ce... Ça, il faudra certainement le mettre derrière l'écran. On va coller ça, ouais. Ouais, pour en fait, il va détecter les... Je crois que c'est le mouvement en fait, ou le touch en fait, pour pouvoir s'allumer et tout. Donc, tu as déjà téléchargé au final. Je viens de télécharger l'application. Ça se fait super bien, quoi. Donc, on pourra la tester tout à l'heure, une fois que tout sera branché. Parce que pour quelqu'un, dans 3 heures, on a les heures. Moi, franchement, je suis assez confiant au final. Le petit chichou qui est avec, qui pourrait être de meilleure qualité, je suis désolé à dire, mais il va faire le boulot. Et puis, on a trouvé un très beau passage, c'est très bien. Je te montre tout ça après. Et on va le connecter à l'arrière. Donc, on va montrer vraiment tout en détail. Tu vois que la boîte, donc, elle est vide. Et je ne connais pas ce système, mais c'est un double face très certainement qui est simple. On va mettre à contribution Kamel qui va nous faire ça proprement et tout. On va l'ajuster. Et alors, pour présenter le truc, en gros, ce qu'il faut, c'est qu'on alimente ici. On va revenir, en fait, avec le boîtier à l'arrière. Et on va connecter pour le coup
le premier qui va venir ici normalement, et donc bien derrière proprement, etc. Le second, je vais tout te montrer, il va passer là, il passera de là à ici, en dessous, tu le verras pas, tout le long. Et puis tu vois, donc j'ai démonté déjà celui-ci, alors c'est vraiment très simple, tu ouvres la boîte à gants et avec le petit crochet, donc tu vois, il y a 1, 2 et 3. Alors on est parti pour le petit collant. Kamel qui m'attend même pas pour... On va essayer de le faire tout doucement. C'est comment en termes de texture? Ouais, c'est pas mal. C'est doux. Ouais, et c'est assez épais. Ouais. Tiens, Kamel. Oui, merci. Alors, on va déjà le présenter. Tiens. Alors, ça, je te mets ça là, comme ça, ça évitera de le casser. Tu vois, donc, je pense que ici. Oh, ça fait propre, là. Ici, franchement, regarde. On verra que le bandeau. Ouais, ouais, juste illuminé, ouais, au ras, là. Ouais, ouais. J'ai pas pris de mètre, par contre. Tu vois, donc, le seul regret, donc, je dirais pareil. Donc, il va pas jusqu'au bout, ouais. À la vidéo, c'est. Je sais pas pourquoi. Alors. Peut-être pas, tu vois, jusqu'au bout, mais au moins jusque-là, quoi. Donc, après, ouais. Ce qu'on peut faire, c'est... On va le centrer, hein. Juste avant la ventile, pas au milieu de la ventile, hein. Ouais. Ici. Juste avant, bah, c'est ça, regarde. Ok. Bon, bah, voilà, ouais. Il me semblait bien, tu vois, qu'il fallait qu'il y ait bien un ajout. Ouais, ouais. Donc là, tu vois, alors, là... Là, voilà, là, je suis... est-ce que tu es au niveau... Il veut que tu démarres. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, ouais, et par bon. Contre, t'as vu, on va le caler bien en dessous. Ouais. Regarde, bah, on ouais, le verra pas. Ça, ouais, très bien. Ok, donc je vais démarrer de la ventile. Ouais. Ok, ils ont, eh ben, ils ont voulu peut-être laisser la ventilation aussi libre. Ah, oui, parce que de toute façon, comme c'est à double face, il aurait décollé peut-être. De toute façon, la ventilation, elle est liée aussi ouais, en dessous. Il y a un tout petit passage là. D'habitude, il est plus grand hein, ce passage. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, on est parti. On commence. De le déballer et de venir leur couper. S'il faut, ouais, ouais, ouais bien tu sûr. Vois. Ah, par contre, on n'a pas trop d'erreurs. Je pense que tu vois, ça colle très bien. Mais... Ouais, ça peut se rajuster en plus. Après, je sais pas si j'aurais dû l'enlever en totalité, mais oui, on peut. Vas-y. Tu vas tout doucement. En fait, on va le présenter et on le colle. Tu veux enlever le reste ou pas? Vas-y, colle déjà, je pense. Déjà. Alors, on va voir si on est bien. Alors, hop, par rapport. Ah, ici et là c'est parfait, waouh, là c'est super hein. Alors tiens, tire le bien, vas-y, j'ai le temps. Super, franchement nickel pour le moment, nickel. Mmh. Tu l'as bien tendu. Waouh, il est nickel. Il s'épouse super bien. Là. C'est bon, t'as repris l'autre côté. Ouais, ouais. Super. Je vais commencer et je montrerai par où on est passé. Hop, hop, et hop. Alors, tu vois, toi, tu as un modèle berlinois et ça change ici. Moi, j'ai pas cette place. Alors, la lumière, elle est là. Là, comme ça, là. Ouais, je sais pas si ça passe. Si, ça passe. Ok. Ouais, on fait comme ça, hein. On va avec le... Tu sais, ton petit truc, là. Ouais. Il est derrière. Non, il est là. Ça, ouais. Ça sert à ça, pour le coup. Même le tien, il est bien, hein. On va l'enfoncer. Le mien, c'était pour les sièges, justement, tu sais. Ouais. C'était pour les ajuster. Hop. J'allais dire que ça avance plutôt vite, hein, notre truc, finalement. Bah, ça va. Hein. Alors, donc, on explique un petit peu. Ouais. Donc, pour le coup... Kamel a réussi, donc là tu as de la marge, donc est-ce que tu veux qu'on le recolle un petit peu ici? Tu le laisses comme ça, moi on le voit un petit peu, c'est pas hyper grave. Oh, c'est pas gênant. Je pense qu'on y arrivera plus à de le coller.
Mais après, tu peux l'enfoncer sinon un peu plus. Et celui qui veut, à la limite, il peut mettre de la colle et le mettre. Voilà, l'attaché avec un double face. Ou mettre le double jusqu'à, mais je suis même pas sûr que ça fasse plus. En tout cas, tu as réussi à le passer ici. Alors, c'est mousse, hein. Tu as de la chance, ça glisse. Il passe là. Et là, donc, on va faire le raccord tout le long. C'est ça. Comme ça. Derrière. Allez, c'est parti. Alors, hop. Tu pourras pas le passer derrière, ouais, mais si tu le glisses, là, c'est bon. Ah, c'est pas facile, hein. Putain. Cette partie-là. Voilà. Alors, ce qu'il faut en plus, c'est trouver un endroit bien calé, parce que quand tu vas repartir ici, c'est le risque que ça. Donc là, bien le monter jusque-là, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, ce que tu peux faire, voilà, tu t'arrêtes ici, parce que tu vois que ouais, le. Et je l'ouvre, là. Vas-y, mets. Attends. Vas-y, vas-y. Hop. Voilà, parfait, parfait. Voilà. Et là, tu remontes bien, voilà. C'est ça. Hop. Hop. Regarde, prends pas la tête, regarde. Vraiment, tu remontes bien, et là, maintenant, t'as plus qu'à glisser. Ouais, c'est ça. Voilà. Parfait. Mais c'est un peu barré. On fera les ajustements après. Oui. Hop, donc là, ça va tout seul. Bah là, tu l'ouvres, tu le glisses dedans. C'est ça. Prends l'autre côté, il est mieux, tu vas voir. Il est plus gros. Ah oui, il est plus large. T'as vu ? Ouais, ouais. Va plus vite. Et là, soit tu le fais avec le doigt, soit tu le longes comme un joint de silicone ou quoi que ce soit. Hein. Tu peux le faire glisser. Hein. Ah, merde. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Ouais. Le risque que ça se barre. Merde. Bon, ben, au moins, les gens dans la vidéo feront pas. Voilà. Les erreurs à pas faire. Hein. Ce qu'il faut pas faire, quoi. En fait, comme le câble, il est juste glissé, tant qu'il n'est pas glissé jusqu'en bas, après, ici, il n'y aura plus du tout de problème. Tu veux que je t'aide à le. Non, hop, c'est bon. C'est bon. Est-ce que tu veux que je tienne? Voilà. On est bon. Vas-y. Mais t'as même pas besoin de ça, rien. Je te l'ouvre, tu mets le câble. Ah ouais, très bien. Tu vois. Hop, tac. Ah non, tu le mets à l'intérieur. Ouais, là c'est toujours un peu plus dur. Donc ici, vas-y. Hop. Attends. Super. Là, il est beaucoup plus dur au niveau de la jointure. Ne retire pas parce que regarde, il va se barrer. Ouais. Parti. Donc c'est bon, j'ai mon caméraman. Donc on a pris cette partie-là parce que de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, il est soudé. Bon bah tu vois que l'outil, en tout cas, s'adapte bien, ouais. Si on peut dire. Okay. Donc ici, en fait, on n'avait pas de problème. J'ai réussi à l'ouvrir. Voilà, regarde, t'as vu, il vient quand même assez nickel. Facilement. Et le but, c'est vraiment de le glisser à l'intérieur. Bon, moi, j'ai les doigts vraiment. Donc là, tu vois, tac. Voilà, tu vois, là, ça y est, il est glissé. Et donc, hop. Attends, tac. Hop. Et là, on reprend. On lève. Et on le glisse. Hop. Alors, après, on va. Ah, ben, c'est ici qu'on passe. Tu vois, c'est là. Ah, d'accord. Si on va. Bah, ouais. Mais toi, t'as une berlinoise pour le coup. Attends, je t'enlève un clips. J'ai toujours cru que c'était une chinoise, tu vois. J'ai appris quelque chose. Bah, XP. Bah, t'as vu comment ça s'enlève là. Je vais à moitié déclipser le truc. Alors, attends. Là, tu vois. Eh non, tu n'as pas une chinoise, tu as une allemande. C'est une goutte surprise. C'est une grosse saucisse. Une très grosse saucisse. Voilà. Par contre, il se met vraiment bien là ici. Ah, il est top. Bon, je vais pas faire comme j'ai fait avec ma femme. Je sais plus ce qui s'était passé. J'ai appuyé sur le profil et le siège s'est mis à reculer. Ah, d'accord. Je te raconte même pas. Donc, de mémoire, bah, t'as vu, il s'est barré. Ouais. C'est pas grave. C'est que là, on va le passer derrière. Ouais. Là, il y a vraiment un truc à connaître. Hein. Ouais, c'est à dire que je savais qu'ici, donc, comme il y a un léger débord. Tout à l'heure, donc j'ai pas avancé le siège et je t'ai dit bah tiens Kamel, vas-y avance le siège et franchement là c'est le jour et la nuit. Voilà, donc là, tranquille. On la passe ici, tu relèves le siège. Alors la berlinoise, même si ça n'a rien à voir avec l'installation,
c'est cette partie-là qui bouge. Donc tout ce montant-là, même les petits boutons-là, en fait, c'est pas les mêmes. Donc ce qui fait que là, c'est le jour et la nuit. On a un passage, laisse tomber, quoi. Regarde le passage. Donc là, on voit bien en fait où on passe. Donc on tire, voilà. Super, tac. Et donc on va pouvoir venir s'alimenter ici. Waouh, on a un super passage là qu'on n'a pas sur les modèles 3. Regarde. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire ici, passer en dessous, revenir là, repasser en dessous. Si tout se passe bien, allez, on se reprend. On va commencer à ouvrir ça. Cette partie-là. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas la place juste. On aura juste la place pour mettre le T. Et on viendra sortir le T de toute façon en dessous là, tu vois. D'accord, cette partie-là. Ouais, et en fait, on va venir raccorder dans ce coin-là la totalité pour pouvoir repartir sur l'autre bandeau lumineux. Ok. Est-ce que en faisant levier, sinon comme ça, on arrive à tirer un peu dessus? Ah, attention, juste les doigts. Parce que là, si j'ai un doigt qui saute, c'est la fin. Putain. Ah non, tu vois, c'est très. Il y a du jeu. Oh putain, si c'est comme ça, c'est parfait. Ouais, parfait. Tu l'as? Ouais. Bravo. Alors attends. Voilà. Oh là là, ils s'enlèvent d'une facilité. Et donc tu vois, regarde les deux clips là. Là, très gentiment. Ouais. Voilà. Putain, bravo. Putain. Et après, je pense qu'il n'y a même pas de besoin. Hein, si. Alors attends, comment c'est fichu dedans maintenant? Il est où d'ailleurs? Alors là, par contre, c'est l'inconnu. Normalement, la fiche, elle est là. Oh putain. Bon. Et où la fiche? Normalement, la fiche est juste là. Putain. Il n'y a pas ce trou là. Parce qu'en fait, comme c'est pas le même châssis avec BYD. Alors, technique. Bon, on a tout démonté. Au final, on est sur un T et il me semble bien que ça correspondait pas. Donc ici, il n'y a rien sur la berlinoise. Malheureusement, on apprend, si on peut dire, de ses erreurs. Je vais quand même te reconnecter les ports USB. Ouais, ce serait bien. Hein, c'est quand même mieux. Attends que je ne me trompe pas. Voilà. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle démonter pour rien. Ben, y a des belles fiches, c'est super sympa. Donc on va pouvoir remonter tout ça. Hein. Oui. Donc, regarde de ton côté, tu fais gaffe, regarde, là il y en a déjà deux. D'accord. Qui se mettent, tu dois le voir là. Tu le vois ou pas? Attends. Ici là. Il va passer oui. En dessous. Ah oui, pardon. Là. Non. Il faut que tu commences ici. Ici. Ici, tu as là une fiche. Donc en fait, c'est l'objectif, c'est de rentrer. Ah oui, dans la fiche là, d'accord. Ouais. De rentrer dedans. Alors attends, moi je suis pas du tout bon. T'es bon là? Ouais, moi je suis. Attends, ouais, là je suis bon là. Ah non. Là, je suis bon. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Parfait. Ouais. Alors attends. Ouais. J'ai pas de bol. La fiche est passée au mauvais endroit. Attends. Attends. Voilà, ça y est. Donc là, attends, bouge pas. Et ça vient, ça se met tout seul. C'est comment de ton côté? Là, on est bon? Non, il y est pas. Enfin, il y est, mais ça tient pas là. Oh, merde. Attends, on va le renlever. Attends, pas besoin de l'enlever. Là, il y a les attaches. Ah, ça y est. Celui-là? Ah oui, ouais, c'est pas l'enfoncé. Ouais, en fait, c'est bon ou pas? Ouais, c'est en bon. Fait, ce qui s'est passé, j'ai vu, il faut l'emmancher et venir le redescendre. Voilà, d'accord. Ok, bon. Ben, vite. Comment faire un truc pour rien? C'est-à-dire que ben, ça, on va pas en avoir besoin. Non. Et puis, on va voir donc le deuxième petit chichou. Petit bandeau, ouais. Donc, on va remettre les vis d'ailleurs. On branche ça. C'est ça. On repart sur l'allume. Donc là, on a notre pad. Là, on a notre double. Le double, celui-ci, on vient tac, le connecter. Bah, vas-y, apporte-moi le deuxième. Hein. Oui. On va le connecter à l'autre. Et puis moi, pendant ce temps-là, bah, je revisse. Je dis pas mes conneries, mais les trucs qu'on a démontés pour... Ah, ça, c'est horrible, ça. Voilà, combien de fois ça m'est arrivé de, là, c'est vrai, c'est de faire des travaux et de démonter les... Ça semblait bien parti, en plus on pensait avoir trouvé le truc, génial. T'as vu comment ça s'est démonté? Voilà, sur la chinoise, c'est horrible à démonter. Il est très dur, et là les clips sont... Bah, de toute façon, cette voiture à l'intérieur, c'est du Lego, hein. Franchement, c'est vraiment du clips. Ouais, c'est tac. Ça s'emboîte en plus impeccable, comme tu disais. Par contre, il va falloir quand même que je le déconnecte. Je vais passer ça ouais, en dessous. Ah oui, non, très bien. Là, c'est pas mal. Ouais.
Tu vois, je laisse ici. Nickel. Ça... Ah ouais. Ah, ça y est, je l'ai. Oh. Il y a une butée. Attends. Voilà. Donc, eh ben, ça sert à quelque chose. Voilà, super. Ok, donc tac, ça, ça passe derrière. On a le pad. Là, on a l'allume. Là, tu vois, donc il y a une encoche faite pour. Donc là, il y a une pour pas se tromper. Donc en fait, ici, de toute façon, tu peux le sentir. Et là, tu penses que tu es dedans, mais en fait, faut juste. Voilà, c'est pour les gens qui vont. S'ils sont intéressés par le produit, tu vois. Tac. Ah, bien enfoncé. Là, et bien enfoncé. Vas-y, on passe devant, allez. Voir ce que ça donne. Alors, Kamel. Alors, il passe là. Tu veux. Attends, je peux le reculer, recule, je crois. Ouais, là, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Là, il est monté. Ah, oui, parce qu'en plus, quand il recule, il monte à fond, par contre. C'est ça? Ouais. Ok, donc là, il s'était décollé. Ouais. Non, c'était tout bon. Ok, ben bah on va. Et hey, tu sais qu'on peut déjà même le tester là. Allez. Tu vois, regarde, on peut le brancher sur ton USB ici, voir ce que ça donne. Okay. Alors en fait, tac. Attends, je vais te le chercher. Ouais, merci. Je vais te le chercher. Donc là, la lime elle est là. Hop. Donc a priori, il n'y a plus de T à l'arrière. Donc c'est bon. Je ne sais pas si c'est précisé dans la description. Ah bah sympa, aïe, j'adore. Et que je pense après avec, après avec l'application, ouais, pouvoir jouer tu vas pouvoir aussi, régler, tu ouais. peux mettre blanc. Oh là là, moi j'aime beaucoup par contre la synthétique, là, comment c'est ça s'allume. C'est tout fin en plus, ouais. C'est vrai que c'est très pas joli. Mal. C'est sympa, tu en as pas dit non, je veux pas de truc kéké. Non, je veux pas de discothèque. Ça fait pas trop kéké, non, ça va, c'est fin. Mon Kamel, tu danses? Ouais, là, on est parti. C'est la fête là. Donc on a trouvé un super endroit. Tiens, vas-y. Présente-nous-le de l'autre côté là. Alors, on va le mettre comme ça. Hein. Ouais, et moi je t'avais dit même, tu vois, qu'on l'a. Regarde, ah oui, on va pouvoir exact. L'intégrer. Ah oui, dedans. Exact. Ouais. Oh là là, il rentre même. Je il sais est pas sur mesure. De coller. C'est sur mesure. Le collant, on a du mal à le retirer. Je pense qu'il est par contre hyper efficace. Hein. Ce qui est bien, c'est que si demain on veut l'enlever, je voilà, pense qu'on bon. Peut l'enlever sans. T'as réussi, super. Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. On est bien dans le bon sens. Oui, oui, on est bien dans le bon sens. Ça me met en panique. Parfait. Alors vas-y. Tu veux que je t'aide? Non, ça va aller là. Oh, ça fait... Franchement, là, ici, là, ça fait super sympa. Là. Donc, on va pouvoir le mettre sur le côté. Ouais. Vas-y, occupe-toi de l'autre. Et ouais. bien le... ah, par contre, il faut que tu le colles au-dessus. Regarde. Ouais, ouais. Regarde. Ah oui, pardon. Tu vois ouais. Hop. Voilà, colle-le bien au-dessus. Voilà, et on va faire un retour ici. Et donc là, en gros, on a mis le bandeau ici. On est passé là, j'ai réussi à mettre à l'intérieur et à un moment donné, en fait, j'ai mis juste ici. En faisant comme ça, ça permet voilà. de décaler. Donc là, on les voit l'éclipse et on va faire pouvoir passer cette partie-là dedans. Et ça fera, je pense, beaucoup plus propre. Est-ce que tu veux le faire? Allez. Ça, je montre. Hop. Voilà, ça a un d'enlever plus. Hop. Et en gros, je pense que ça ne gênera pas. Et voilà. Ça ne gêne pas ici? Non. Non, et c'est reclipsé. Non. Aucun problème. Voilà, ici, donc, il y a la partie qui est là. Et donc, voilà, il n'y a que là, j'ose pas, voilà, clairement aller plus. On pourrait carrément, c'est horrible à dire, hein, tu démontes ça, tu démontes le panneau central, tu vois, et tu l'intègres encore en plus. Tout, ouais. Mais quoi? Ouais, tu peux pas le ouais, faire tu peux en tout, certainement, enfin, tu... Mais là, ça fait propre. Comme c'est du Lego. Non, ça se voit pas. Et puis le but, c'est de nuit. Et en plus, ça s'enlève. T'as vu, ça s'enlèvera très facilement, quoi. Bon, on va faire un petit jeu de lumière après. Ouais, surtout qu'il fait pratiquement nuit. Il est 15h, c'est magnifique. On va pouvoir voir ce que ça donne. Bah, comme malheureusement, la berlinoise n'a pas le cache là. Au final, on n'a pas besoin de ça. Hein. On a remis le clips. Vraiment, ça se remet très facilement. On va voir stratégiquement quand même où on met le pad plus à l'avant. Et pour le coup, Kamel va pas se prendre la tête, donc il le met là, mais après on peut le mettre à l'intérieur. Là, j'avais un adaptateur parce que ici on est en C. De l'autre côté, tu en as en B, donc tu peux le brancher. Enfin, ouais. Comme tu n'utilises pas les places à l'arrière, ouais. C'est sûr, moi avec un enfant, c'est juste pas possible de laisser comme ça. Mais après, on peut le raccorder, donc en ouvrant pour le coup la boîte à gants, le passer là, bon, sans faire en plus de trous. Ou même à l'extrême, quelqu'un qui l'ouvre ici, à l'extrême, si tu fais. Même un tout petit trou, tu vois, à l'intérieur. Ah oui, d'accord, pour moi, parce que... Ben, j'ai vu qu'en tapotant, on arrive à la boîte à gants. D'accord. Donc, en fait, tu peux, à mon avis, faire un petit trou, tu repasses à l'intérieur, tu passes la boîte à gants, et voilà, si tu veux quelque chose d'un peu plus propre. Invisible, mais en tout cas,
Là, ça donne bien déjà. C'est installé. C'est ça. Tu as téléchargé donc leur application. Je viens de télécharger l'application. Apparemment, on peut changer les couleurs. Tu vois, elles vont changer là. Là, il passe en vert. Si je fais vert, tu vois, ça va rester en vert. Là, voilà, il n'est pas en vert. Non, mais non, attends. Alors, violet. Violet. C'est bien violet. Autorisé. Là. Autorisé, on va faire, ok. Vert. Oui, là, je pense qu'il y a... J'allais dire, ça y est, ça marche pas. Ça marche super bien. Là, allez, je veux en jaune. En jaune. Hop. Voilà. Je suis énervé, je veux en rouge. Rouge, il ne faut pas m'embêter en rouge. Hein. Hop. Voilà. Et en rouge, ça fait sympa. Hein. Oh, sympa. Ouais. Franchement. Petite ligne. Franchement. Bon, je ferai une vidéo ce soir. De nuit. De nuit. Si je vois ce que ça donne. Bon, ben voilà. Donc, en tout cas, pour l'installation, donc tu viens coller pour résumer la totalité. Le bandeau tout le long. Jusqu'ici. Et on n'a pas remis. On n'a pas remis la plaque. Ah oui, merde. Donc, tu vois. Ça, c'est mon truc, ça. Tac. On va remettre. Je t'ai cradossé le tapis. Non, je vais la nettoyer de toute façon. Alors, regarde. 2 et 3. Tac. Donc, à la berlinoise. Juste le positionner. Bon, ben, c'est pareil pour... Sur la chinoise. Oui, oui, tout à fait. C'est que du clip. Je trouve que c'est des clips qui sont assez sains, qui ne cassent pas. Tu... Oui, parce que de temps en temps, quand tu forces des clips, c'est moi, pas évident. Moi, j'aurais peur, tu vois. Mais là, franchement, t'as vu là la partie du bas. Donc là, concrètement... C'est refermé, donc on passe ici, on passe tout le long comme on a fait donc dans la vidéo. Et donc la police elle passe souvent ici. Et donc on arrive là, on a raccordé l'autre qui est passé donc ici. Tu vois toute cette partie là. Et là on voit un tout petit peu vraiment le fil. Et là ça va jusque là-haut, donc c'est collé. Voilà. Donc, encore cette partie arrière, elle est visible que par les jambes derrière. Parce que quand tu es au volant, tu vois même pas le bandeau. Non, ben non, tu vas voir le petit reflet et tout, et ouais, tu vas voir comme ça. Ouais. Ça te fera un petit rappel, tu vois, tu peux mettre cette couleur là. Ouais, exact. Donc c'est sympa. Donc là, en fait, sur l'application, donc tu peux paramétrer, tu peux même mettre la puissance du faisceau. Oui, puissance, ouais, exact. On peut effectivement la baisser ou augmenter la luminosité. D'accord. Ça fonctionne? Oui. Ah ouais, merci. Il est blanc là. Là, il est blanc, si je le baisse, tu vois, tu sens que... D'accord. Ah ouais, là il est coupé. Là, il était coupé. Ok. Là, il est coupé. On voit pratiquement plus rien. Ok. Et hop. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Petite nébuleuse, bah, merci, monsieur Yoann, en tout cas. Hein. Donc, voilà, Kamel. Eh ben, écoute, satisfait de l'installation. On a mis combien de temps, au final? Alors, on s'est vu, il était 13h10, on va dire. Hein. Il est 15h. On a mis deux heures. Ouais, et puis une demi-heure de blabla, puisqu'on se connaissait pas et on a mais les gens ne se rendent pas compte, voilà, donc le temps qu'on prenne du temps et tout. Je ne savais pas du tout, j'ai pas plus que regarder ça, comment ça se faisait et tout. Je pense que quand tu as pris l'habitude, combien de temps on met? Je pense qu'en une demi-heure, ça se monte. Ouais, une demi-heure, quelqu'un qui connaît, là, j'ai vu que toi, tu avais déjà pigé la Tesla Y et ses clips, etc. Donc déjà, tu allais un peu plus vite. Ça aurait été moi, j'aurais un peu plus galéré. Faut les connaître. C'est comme ça, donc c'est vrai qu'une fois qu'on le connaît, je pense que c'est l'installation demande une demi-heure, 45 minutes grand maximum. Même moi qui suis nul, je pense le faire en une demi-heure. Il n'y a rien de compliqué. Parce que pour le coup, voilà, on va pas citer, mais on a vu donc d'autres choses sur YouTube avec des retours et tout, il faut descendre des panneaux, etc. Là, en fait, mis à part coller, on ne touche pas, en fait, si on peut dire, à la sécurité. Mais c'est clair, c'est clair. D'autant plus que tu l'as mis donc sur sur l'USB. Donc, en fait, on n'est même pas... Donc, je serais intervenu sur la garantie, le fait d'avoir le T. Ouais. Mais sur la berlinoise, donc, il n'y a plus le T. Donc, voilà, on l'a bien vu donc dans la vidéo. Donc là, clairement, c'est collé, c'est pas vissé, c'est passé dans des détours. Il n'y a rien de... C'est invisible. C'est une installation invisible. Ouais. Il n'y a pas à l'arrière puisqu'on le voit ici, mais bon, ça va glisser dans la boîte à gants. Ouais. Et comme j'ai dit pour le coup, alors je ne sais pas si je le remettais dans la vidéo, si j'avais dû le garder pour moi, au final, en tout cas dans la berlinoise, j'ai vu que le dessous, on était donc dans la boîte à gants. Et honnêtement, j'aurais fait pourquoi pas un petit trou, ça reste du plastique, donc c'est pas de l'électronique. Ouais. Et tu viens en fait brancher et tu te laisses donc tu prends un allume-cigare en deux. Et puis tu te laisses un espace pour toi pour l'allume-cigare et tu te mets le truc qui est raccordé.
Il faut juste qu'on voit avec le pad. D'ailleurs, il est où le pad? Ah, comment ça fonctionne exactement? Il faudrait qu'on regarde donc sur internet. Il est là, le pad, il est ici. Parce que là, pour le coup, c'est tout le temps allumé. De toute façon, je suppose que quand la voiture va être fermée, il s'arrête à ce moment-là. Parce que moi, quand je l'avais branché sur USB, il avait tendance à s'arrêter. Moi, je pense que ça va être ça. Hein. Donc, je ne sais pas voilà, s'il va s'arrêter. Et pour le coup, il est branché de la même manière que à la maison, quoi. Très concrètement. Bon, en tout cas, merci, hein, Yoann. Hein. C'était une belle expérience avec cet influenceur. Tesla. Non, mais c'était sympa. C'était sympa et c'est vrai que c'est fait dans la notion de partage et tout. Mm. Moi, j'apprécie en tout cas. C'est gentil à toi. Bon, le but, c'est pas d'influencer. C'est vrai que sur le produit, sympa. Par contre, c'est vrai qu'il est relativement élevé. Donc, on est à plus de 70 euros. Le packaging, je pense qu'ils auraient pu revoir un peu au niveau du packaging. Il y a tout dedans, mais a priori, il n'y a pas de notice. Donc, je vais essayer de faire le meilleur référencement possible, que des personnes qui achètent ce type de produit, que ça soit donc pour le coup avec EVBase ou je ne sais pas après s'il y a d'autres marques. En tout cas, le bandeau de EVBase, donc pour le moment, c'est vrai que j'en ai assez peu parlé. Donc, de la marque, il faut quand même aussi rendre bien sûr, César ce qui est pas César. Sympa, ouais. Mais EVBase, voilà, ça vaut le coup. On a, j'ai 15% et actuellement, il y a 20%. Donc, je crois qu'il est à 77 euros. Donc, en gros, 7714, tu peux le toucher à 63 euros, c'est ça? Donc, aux alentours des 60 euros. Bon, pour avoir, ça sera pas un modèle Y, tu sais, ceux qui sont faits en Chine, améliorés, quoi. Mais en même temps, moi je l'ai vu, mais là, ça te permet vraiment de changer le look de ta voiture pour pas cher, entre guillemets, avoir un petit look sympa. Voilà, en soirée, ça peut être bien. Quand tu roules, d'avoir un petit look. Très discret. Et sans vraiment repartir sur les portes, gros boulot. T'as vu, honnêtement, ça, tout seul, t'aurais pu le faire. Oui, avec un tutoriel et en regardant 10 fois la vidéo, etc. Oui. C'est vrai que c'est simple. T'aurais mis 2-3 heures. Il n'y a pas besoin de notion d'électricité ou de se dire, voilà, c'est vrai que suivre la méthode, c'est un produit à conseiller. Pour ceux qui veulent changer le look intérieur dans la voiture. Après, moi, je suis un particulier. Donc, en fait, si tu veux, je vais pas dire, écoutez, si vous commandez le produit, je vais venir vous l'installer, t'imagines. Voilà, je fais ça sur le parrainage parce que sur Tesla, donc le modèle Y, il y a du parrainage. Donc, ça fait quand même 7500 points. Après, voilà, la personne commande pour le coup, si ça l'intéresse. Et attention, c'est sur le modèle Y, mais sur le modèle 3, c'est pareil. Oui, ils se branchent de la même manière, bien sûr. Ouais. Donc, sauf le modèle 3, donc Highland, c'est fait de la même manière. La seule difficulté qu'il y a sur le modèle 3, je crois que c'est le siège, il ne se monte pas de la même manière. D'accord. C'est normal parce que le modèle Y, il est beaucoup plus surélevé. Donc, en fait, c'est un petit peu plus galère. Mais tu as vu, il y a plein de possibilités de le passer. On peut même, j'en suis sûr, le passer aussi de ce côté-là. Oui, en dessous la boîte à gants. En dessous, passer ici. Enfin, la voiture, c'est du Lego, hein, franchement. Ouais. La qualité allemande, tu m'as dit. C'est ça. Oui, mais qualité allemande, je pensais que c'était robuste. C'est américain. Hein. Il a fait comme ça. C'est américain, mais monté en Allemagne, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est nickel. Est-ce que tu as le temps de boire un café? On va dire le petit mot de la fin. Oui, le petit mot de la fin. Attends, ça fonctionne toujours? Oui. Il marche? Le petit mot de la fin, Kamel? Eh ben, expérience agréable. J'ai changé le look de ma voiture. J'ai fait connaissance d'un influenceur sympa, il n'aime pas que je dise ça, mais c'est comme ça. Franchement, merci beaucoup. Je t'en prie. Un beau cadeau, en plus. Allez, à bientôt. Et puis, merci pour le coup, donc, à Kamel. Merci à EVBase. Merci. Et puis, vraiment, c'était très agréable. Ciao. Cliquez sur le petit lien. Ciao. Donc, on reprend en mode paysage cette fois-ci. Ah, vous voyez. Comme ça. On va voir de l'autre côté. Le système à l'intérieur, donc qui est lui totalement invisible. Et nous y voilà de l'autre côté. Donc le rendu est superbe. Non, il est en mode, il bascule de couleur, il change. Alors, t'as ce mode-là qui donne bien aussi. Plutôt pas mal. Tu peux faire défiler. Il y a un autre mode.
que le cycle peut changer de couleur. Là, t'as un côté. Et de l'autre. Ouais. Franchement, ça donne pas mal. Le montage de l'arrière. Bien expliqué, tu vois, t'as plus aucun fil, il n'y a plus rien. Tout est propre, tout est passé dans la boîte à gants, on n'a rien de visible. Magnifique. Magnifique boulot, Yann. Magnifique.